Chers élèves, ravis de vous retrouver encore une fois pour présenter une activité des exercices écrits relative à l'unité didactique 5 sous le thème « L'eau et la vie ». Notre objectif, c'est comprendre les consignes et répondre correctement aux questions. Le premier exercice. J'écris les mots avec les syllabes données. J'écris les mots avec les syllabes données. La première image. Nous avons les syllabes son et gla. Nous avons les syllabes son et gla. La deuxième image. Nous avons j'ai, teur, la, quand. J'ai, teur, la, quand. La troisième image. Nous avons zin, ré. Zin, ré. Gla, sang. Gla, sang. Le deuxième mot, c'est quand j'ai la teur. Quand j'ai la teur. Le mot de la troisième image est raisin. Raisin. Glaçant, congélateur, raisin. Le deuxième exercice, je mets en ordre les mots suivants pour former une phrase. Le premier mot est l'eau. L'eau. Le deuxième, gâcher. Gâcher. Le troisième, il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc, la phrase commence par « Il ne faut pas. Il ne faut pas. Gâcher. Gâcher. L'eau. L'eau. Il ne faut pas gâcher l'eau. 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 Préserver. Préserver, il faut, très bien. Donc la phrase commence par il faut préserver l'eau. Donc la phrase est il faut préserver l'eau. Le troisième exercice, je complète les phrases avec les mots suivants. Polluer, polluer, conseil, conseil. Je te de fermer le robinet quand tu brosses les dents. Tu ne peux pas boire cette eau, elle est... Donc, à vous de compléter les phrases avec les mots donnés. Très bien. Donc, la première phrase, je te conseille de fermer le robinet quand tu brosses les dents. Je te conseille de fermer le robinet quand tu brosses les dents. La deuxième phrase, tu ne peux pas boire cette eau, elle est polluée. Tu ne peux pas boire cette eau, elle est polluée. Merci chers élèves pour votre attention. À très bientôt.